Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Inspirer, partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer, éclairer. Françoise Rapp est une aromathérapeute et parfumeuse holistique, une naturopathe, une véritable alchimiste du règne végétal. C'est une créatrice hors pair qui aime les fleurs, les plantes et qui parle leur langage. Sa fille porte un prénom de fleur, Rose. C'est une femme très inspirante qui a vécu 10 ans en Californie pour ensuite revenir en France et travailler avec Annie Goutal. Elle vient de fonder l'Institut français d'aromathérapie. Dans cet entretien avec Corinne Delaunay, elle nous raconte sa vie, son parcours et sa volonté de transmettre. Bonjour Françoise. Bonjour Corinne. Bah, je voulais qu'on revienne ensemble sur ton parcours parce que c'est un parcours d'autodidacte et ça c'est très très intéressant. À l'heure actuelle, on nous demande beaucoup de diplômes pour beaucoup de choses et je trouve que toi tu es une femme vibrante qui a réussi à imposer en fait ce que tu aimais aux autres. Donc tu peux revenir sur le début en fait, tes 17 ans, le jour où tu arrêtes l'école et ce qui s'est passé ensuite pour toi. Mon Dieu, c'était un long chemin avec parfois escarpés, mais qui était un très beau chemin. C'est vrai, j'ai quitté l'école à 17 ans pour en fait passer mon bac en candidate libre 10 ans après. Toujours essayer de rentrer dans un moule de toute façon dans lequel je ne rentrerai jamais, mais bon, voilà, on essaye. Et puis il y a eu ce départ aux États-Unis parce que effectivement à cette époque, on était donc au début des années 90, je sentais que je ne correspondais pas à des schémas précis, je rentrais pas dans les cases, je ne supportais pas les étiquettes, je tournais un petit peu sur moi-même. Et en fait, j'ai fait cette rencontre avec une naturopathe, donc comme quoi le hasard est assez joli parfois dans la vie, enfin beaucoup. Et cette naturopathe, j'étais attirée par les odeurs, par les énergies, je me questionnais, j'avais des inspirations comme ça. Et donc cette naturopathe m'a guidée vers un livre sur les chakras et qui employait aussi donc les huiles essentielles. Et j'avoue que c'était une période de ma vie où j'étais assez perturbée, j'étais un peu dépressive, déprimée. Et donc le fait d'aller voir cette naturopathe, parce que ça était la raison, m'a vraiment guidée, m'a éveillée à un monde auquel que je ne connaissais pas. Et ça a été absolument merveilleux. Donc j'ai vraiment poussé la porte, ouvert la porte en fait sur un monde qui était assez incroyable. Et je vivais en Auvergne, donc à Clermont-Ferrand. Donc tu vivais déjà au milieu de la nature. Ton parcours d'enfant était déjà lié aux plantes, aux arômes. Alors oui et non, parce qu'en fait, même si je travaille beaucoup avec la nature, j'ai quand même un esprit très citadin parce que je travaille avec les gens, les énergies, donc j'ai besoin de sentir vibrer la vie autour de moi. Mais cette connexion avec la nature vient de promenade avec mon père, en fait, et ce sont des souvenirs, c'est lui qui m'a éveillée, donc à respirer, à aller cueillir les champignons, à aller cueillir les fleurs, et donc voilà, donc je pense que cette passion et cette sensibilité vient de là. Et donc ce livre que la naturopathe t'avait prêté, t'a reconnecté au monde autour de toi grâce au chakra, à la nature. Tout à fait. Et ensuite, donc mon frère résident aux États-Unis, en Californie exactement, j'ai décidé d'aller le voir. Et je suis partie en vacances. Et quand je suis arrivée, parce que j'étais passionnée, donc attirée par tout cet aspect justement de soins et autres. Et donc quand je suis allée lui rendre visite, donc à San Diego, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait apprendre les massages, l'aromathérapie, l'énergétique chinoise, de façon très facile. Je veux dire, tout était abordable. Enfin, je veux dire, voilà, on pouvait s'inscrire et demain, on commençait le cursus, chose qui était pratiquement impensable en France à cette époque-là. C'était la fin des années 90, tu nous as dit ? Le début des années 90. Début des années 90. Donc, aux États-Unis, en Californie, il y avait des écoles un peu partout qui proposaient ce genre de stage. Tout à fait. Donc toi, tu arrives aux États-Unis, tu as déjà eu l'enseignement de cette naturopathe, mm-hmm, quelque part,
et tu décides de te consacrer à une étude particulière? Alors, je suis revenue en France, j'ai tout vendu. Et donc, je l'aventurière, j'ai tout vendu et je suis repartie aux États-Unis avec 2 valises et 2 000 $ en poche chez mon frère. Et donc, j'ai repris mes études, en fait, voilà, je me suis inscrite donc dans une école justement holistique. J'ai appris l'aromathérapie, différentes techniques de massage. Ensuite, j'ai suivi l'enseignement donc avec Deepak Chopra à San Diego, donc à son centre. J'ai suivi différents cursus aussi avec une personne qui s'appelle Amira, donc qui m'a enseigné les chakras, l'énergie quantique et les soins quantiques. Donc voilà, donc moi après mon chemin s'est construit petit à petit, mais quand je suis partie, je ne savais pas combien de temps j'allais rester là-bas et j'y suis restée 10 ans. Et pendant ces 10 ans, tu as été une éternelle étudiante, tu as appris pendant 10 ans ou il y a eu des périodes où tu as arrêté, tu t'es convertie, tu as été vers d'autres études. Par exemple, Deepak Chopra, tu as appris la méditation avec lui pendant cette période? Chez Deepak Chopra, j'ai appris les soins ayurvédiques. La méditation, bien sûr, la méditation aussi avec Amira Hall. J'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai enseigné pendant 7 ans dans la plus grande école de San Diego, donc qui était School of Healing Arts, qui était une école donc de Holistic Health Practitioners, comme on dit. Donc j'ai beaucoup enseigné. J'avais créé déjà en 93 une plateforme de cours donc pour enseigner l'aromathérapie et puis j'avais créé ma ligne de produits aussi aromathérapie donc que je vendais localement. Donc tu étudiais et en même temps tu travaillais donc tout avec ta ligne d'aromathérapie. Tout à fait, une patientèle aussi en massage, en soins du corps. Et dans ta ligne d'aromathérapie, tu avais mis quelle plante en particulier? C'était une ligne de soins cosmétiques ou une ligne de soins thérapeutiques? Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, dans ces créations de produits, alors là, je vous parle de 1995-96, oui, c'est vrai, assez révolutionnaire et visionnaire maintenant que j'y repense. C'est parce qu'en fait, j'ai toujours relié l'odeur à une action thérapeutique. C'est-à-dire que pour moi l'odeur c'est un peu, j'aimais l'expliquer en disant je fais l'aromathérapie du docteur Bach en fait, c'est-à-dire que d'accord, je vais agir sur les émotions par l'odeur, par les bienfaits de l'odeur, donc que l'on va respirer, que l'on va appliquer. Donc cette ligne de soins avait différentes plantes et entre autres par exemple j'avais des huiles très spécifiques, les huiles de mélusine, lesquelles était à appliquer sur des points, je dirais, énergétiques du corps, mais c'était des macérations de pierres précieuses et d'huiles essentielles, qu'ensuite je dilue. Oui, tu étais vraiment précurseur en la matière. C'est ce qu'on voit maintenant, effectivement. Oui, mais moi, je savais pas mettre de nom dessus, maintenant on l'appelle aromacologie, mais voilà. Donc tu avais créé ça, et au bout de 10 ans, tu décides de revenir en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais besoin d'un renouveau, changer d'air, plutôt amener ton savoir-faire en France, parce que tu sentais en France, je suppose que tu revenais pendant ces 10 ans, tu faisais des allers-retours, et tu devais voir que ça commençait à changer au niveau des mentalités, mais peut-être pas encore assez à ton goût, vu ce que tu avais vécu aux États-Unis. Donc tu... Tout à fait, oui. En fait, je suis revenue en France. Je crois qu'on sait jamais pourquoi on part, on sait jamais pourquoi on revient non plus. C'est vrai. Mais et je crois que voilà, je suis pas attachée à une terre en particulier, donc je suis repartie. J'étais guidée encore une fois, je pense, par mon instinct aussi de revenir. J'ai eu l'incroyable chance de travailler pour Annick Goutal, pour les parfums Annick Goutal, où ça a été encore un autre apprentissage aussi. Puisque à San Diego, donc je fais un mini retour en arrière avec mes produits, je crée aussi des parfums naturels. Et donc le fait de travailler chez Annick Goutal, j'ai pu être formée avec des personnes vraiment exceptionnelles et qui sont reconnues dans le monde de la parfumerie, qui est Isabelle Doyen, qui a un grand nez, vraiment très réputée, et donc Camille Goutal, avec laquelle j'ai eu le plaisir de travailler, de voyager pour différentes occasions. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur les matières premières, sur
le fait de sentir, de ressentir un parfum et d'avoir, de développer peut-être un autre aspect, une autre facette, une autre sensibilité justement par rapport au parfum. Voilà, et de rencontrer aussi de grandes professionnelles qui étaient chez Annie Goutal. Donc pour toi, un parfum, ça peut être thérapeutique. Alors j'ai une question, on emploie souvent un parfum pendant 1 an, 2 ans, mais pour toi, peut-être qu'il faudrait qu'on ait plusieurs parfums et qu'on change en fonction des saisons, de ce qu'on peut ressentir. C'est ça que tu verrais, t'envisagerais par rapport au parfum naturel que tu as créé et que tu souhaites aussi prolonger, on va en parler plus tard, par des ateliers pour la création de son parfum. C'est vraiment un parfum qui nous appartiendrait pour toute une vie ou un parfum qu'on changerait au fur et à mesure de ces changements d'état d'âme ou de santé? Alors, le parfum, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est-à-dire que on peut avoir un parfum qui nous correspond, qui va vraiment être en alignement, en résonance avec nos émotions, avec qui on est, avec notre personnalité. Mais je veux dire, le parfum évoluer comme on évolue. Donc, je pense qu'on pourrait avoir plusieurs parfums selon nos humeurs, selon nos envies et aussi selon ce que l'on veut créer aussi, puisque ce parfum, il va y avoir de toute forcément une interaction avec l'autre. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est pour ça aussi, enfin, je reviens sur le vocabulaire du parfum, je peux pas le sentir, ou je me sens bien, ou il y a toute cette sémantique qui est intéressante. Mais un parfum, je crois pas, c'est très personnel, je serais pas tranchante par rapport à ça, le fait d'avoir un parfum ou alors d'en avoir plusieurs. On peut évoluer par rapport à ça. D'accord, ça va être intéressant que tu nous parles justement de la suite de tes projets. Donc, tu travailles pour Annie Goutal pendant quelques années. Et puis, vient l'idée de vraiment te remettre aux soins, de guérir les autres. Et tu passes à l'aromathérapie holistique. Donc, j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est pour toi que l'aromathérapie holistique. Ce que tu entends par là. Alors, les soins, en fait, ça vient du fait que... Je fais encore un petit retour en arrière par rapport aux États-Unis, par rapport aux soins, parce que c'est vrai que j'étais guidée par l'aromathérapie, aussi par les massages et par tout ce qui est énergétique, et j'étais formée pour ça. Mais j'ai surtout appris quand j'étais aux États-Unis qu'en fait mon grand-père était magnétiseur. Voilà. Donc ça, j'avais toujours cette sensibilité ou quelque chose en moi qui m'intriguait. J'ai un peu de difficulté à l'exprimer comme ça très clairement. Mais il y avait quelque chose, une différence, où il y avait des choses, voilà, cette hypersensibilité que je ressentais. Tu l'as appris comment? C'était un secret de famille, par hasard? Non, c'est-à-dire que mon père était très âgé, donc mon grand-père, j'ai jamais eu la chance de le connaître, et c'est un jour mon père, en nous rendant visite aux États-Unis, quand il a vu que, voilà, je faisais de positionnement de main, ou je lui parlais de mon travail, et il m'a dit, tu fais comme ton grand-père. Et là, j'étais un petit peu, je dirais, étonnée, puisque bien sûr, je ne savais pas. Et là, il m'en a parlé, effectivement. Donc, mon grand-père, c'était pas son métier, hein. C'était vraiment, voilà, il avait son travail, mais il faisait ça pour aider les gens et autres. Donc, c'est vrai, ce soin, je l'avais mis un petit peu au fil des années. C'était un petit peu en pointillé avec l'aromathérapie. Et quand je suis revenue donc en France, là, j'ai décidé de faire ses soins, en fait. C'est un chemin qu'on ne choisit pas, c'est lui qui nous choisit, on peut pas y déroger. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Et c'est vrai que je l'approche, ces soins quantiques, ces soins énergétiques, en fait. Je les pratique aussi, je peux recommander donc des huiles essentielles, et c'est relié avec cette aromathérapie holistique, cette vision, en fait, globale de l'individu, parce que je crois que... tout est interconnecté, on ne peut pas, je veux dire, traiter, pareil, je vais vous donner un exemple, traiter un problème de sommeil ne peut pas être que de prendre un comprimé pour s'endormir. Je veux dire, s'il y a un problème de sommeil, il faut l'aborder, par exemple, de façon tout à fait globale. Qu'est-ce qui se passe, même au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau énergétique également, qui empêche le sommeil. Donc là, on va traiter de façon multidimensionnelle, en fait. Voilà, cette problématique. Et toujours à l'aide de plantes. Toujours à l'aide de plantes. Alors, chacun a ses sensibilités. Moi, c'est vraiment avec les plantes. J'ai une connexion, c'est vrai, assez particulière,
une résonance assez particulière. C'est quelque chose qui me vient. Voilà, il y a cette évidence, un peu, comment on peut l'appeler, une médiumnité par rapport aux plantes, l'usage des plantes, même le parfum. Mais c'est vrai que je vais utiliser une huile essentielle, par exemple, de façon holistique, c'est-à-dire que je vais prendre les propriétés, que ce soit sur la santé, le bien-être énergétique et l'émotionnel. Voilà. Donc, pour qu'elle soit en parfaite résonance avec l'individu. Est-ce que tu as une plante fétiche ? La plante que tu emporterais sur une île déserte, si je puis dire, ou une plante ou une île essentielle, parce que... Bien sûr. Alors, je pense que celle qui est la plus populaire, et pourtant, voilà, je trouve qu'elle a été parfois maltraitée, et pourtant, elle est très très belle, c'est la lavande. Je trouve que la lavande, elle est noble, cette lavande, elle est grande, elle est petite et elle est grande, on le voit dans nos garrigues, voilà, donc on va se promener... dans notre chère Provence, on voit cette petite lavande sauvage qui s'accroche et qui résiste aux intempéries et autres. Et pourtant, elle a une essence qui est absolument extraordinaire et elle va vraiment soigner beaucoup de maux. Et d'ailleurs, en latin, lavandula, ça veut dire laver. Et en fait, c'est vrai que cette lavande, justement, au niveau holistique, elle va laver nos maux. En fait, elle va laver... nos petites angoisses, nos petites anxiétés, nos peurs, elle va laver aussi nos plaies, en fait, que ce soit, je dirais, physique, traiter la peau, donc apaiser la peau, apaiser le feu de la peau, les irritations, les inflammations, mais aussi cicatriser les petites plaies, et elle va aussi agir au niveau mental, au niveau donc émotionnel, à laver le stress, lâcher prise, et juste être en paix avec soi-même. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a vraiment ces multifonctions indispensables. Alors en cas de gros stress, tu nous recommandes par exemple de respirer un peu d'huile essentielle de lavande, d'en mettre sur ton oreiller, comme on fait pour les enfants. Ici en Provence, pour les endormir, quelques gouttes sur un mouchoir et sous l'oreiller pour dormir tranquille, c'est ça ? Alors oui, tout à fait, c'est exactement ça. En fait... je trouve que ça va pas être très compliqué en fait pour utiliser une huile essentielle. Et si on veut l'utiliser, alors il y a bien évidemment des principes de précaution qu'il faut absolument connaître. Ça c'est pas parce que c'est une plante que c'est anodin. Il est important de le préciser. Mais par contre, on peut par l'olfaction une goutte sur un mouchoir en papier. C'est une façon tout à fait c'est un moyen tout à fait sécurisant d'employer une huile essentielle pour les enfants, pour les adultes et pour les seniors aussi. Alors pour plusieurs raisons, c'est que déjà par cette utilisation, c'est sécurisant, il n'y a pas un contact direct avec la peau, donc on élimine beaucoup de précautions d'emploi quand même. Et aussi et surtout, c'est que la respiration, on va inspirer, on va retourner à soi, on retrouve ce contact intime avec son corps, avec sa respiration, et l'huile essentielle va agir sur nos mémoires et notre système limbique, donc nos émotions, voilà, et de façon directe, donc par le système olfactif. Donc juste une goutte sur un mouchoir en papier et à respirer le soir, la journée, avant une grosse réunion, vous voyez, vous pouvez même l'emmener au travail et prendre, respirer vite fait, bien fait, avant une grosse réunion pour être apaisé et maître de soi, en fait. Mais on dit, c'est très poétique ce que tu dis en tout cas, mais on dit que la mémoire est liée à l'olfactif. Alors il y a une légende, mais quelque chose qui raconte qu'Andy Warhol avait l'habitude de porter pendant 3 mois un parfum et garder le flacon de parfum. Et quand il avait envie de se remémorer une période de sa vie, il allait chercher le flacon de parfum qui correspondait à cette période, il respirait et tout lui revenait en tête. Est-ce que pour toi, voilà, l'odeur, tout ça, c'est lié à une mémoire très ancienne, en fait? Tout à fait. On n'a pas besoin de mots, forcément. Tout à fait. Notre système olfactif, en fait, c'est un système qui est reptilien. Hein, donc, ce système olfactif, il commence déjà à se constituer dans le ventre de la mère.
Donc, parce qu'il est, relié avec le côté gustatif, hein, le sel gustatif. Donc, les deux sont reliés. Donc, une odeur, le bébé, dès la naissance, quel est son premier repère avec sa mère? Ce premier lien avec la mère, c'est l'odeur de sa mère. Donc, c'est quelque chose, l'odeur est liée, bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais pour faire le synthétique, court, l'odeur est liée vraiment à nos mémoires effectivement de notre vie ici, mais nos mémoires aussi inconscientes. On peut aussi bloquer sur des odeurs, on peut revivre effectivement, comme Andy Warhol, comme la fameuse Madeleine de Proust, revivre des moments, et ce qui est très intéressant, c'est que avec ce système olfactif, vous n'avez pas de temps d'espace. C'est-à-dire que demain, vous vous promenez, vous êtes dans un supermarché, vous êtes au rayon lessive, vous achetez votre lessive, quelqu'un passe derrière vous et a ce parfum de votre ex-petite amie, en un fragment de seconde, vous allez revivre, vous allez revoir cette personne, ressentir cette personne et quelques souvenirs liés à cette personne, alors que vous ne vous y attendiez absolument pas du tout. Donc il y a cette puissance de sens, en fait, par rapport à l'olfactif, et certains l'ont bien compris, justement, en développant le marketing olfactif et autres. Mais c'est effectivement un sens qui est important et avec lequel il est important de se reconnecter. Oui, voilà. Je pense qu'à l'heure actuelle, on l'oublie facilement, effectivement. Donc, j'aimerais bien aussi que tu nous parles de Sa Majesté la Rose. Tu as appelé ta fille comme ça, je l'ai dit en clin d'œil dans l'introduction. Et cette fleur, qu'est-ce qu'elle symbolise pour toi? Qu'est-ce qu'elle symbolise, même en général, on va dire, de façon même philosophique, pourquoi pas? La rose, c'est le principe féminin. C'est la rose, c'est pour moi, c'est relié avec justement cette notion d'holistique. C'est l'âme qui se déploie, qui s'ouvre. Je compare la rose aussi avec les chakras ou ces roues énergétiques. Je veux dire, c'est une symbolique qui est très comment dire, qui est multiple. Qui est multiple, mais qui est surtout universel, en fait. Et c'est ce qui m'apporte, c'est ce qui m'intéresse le plus et ce qui m'attire le plus. La rose, c'est la reine des fleurs. Elle relie tous les hommes. C'est ce que je voulais dire par universalité, en fait. Voilà, je pourrais vous en parler pendant 10 heures. Déjà, c'est très, très beau. Il y a une promenade à la Sainte-Baume. Mm-hmm. J'ai ouï dire que tu as envie de développer, justement, de plus en plus des balades au travers de notre chère Provence pour découvrir les plantes. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets? Bien sûr. Alors, c'est vrai que déjà, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer Céline et Marion de Bonheur Factory qui ont vraiment créé toute mon identité graphique parce qu'elles étaient à même de comprendre vraiment mon travail, sa vibration et ce que je voulais transmettre aussi aux autres. Parce que c'est ce but aussi. Et puis, de cette rencontre est née une très belle amitié et un pas de partage. Et c'est vrai qu'au travers de Bonheur Factory, j'ai animé des ateliers, je continue d'ailleurs d'animer des ateliers et d'autres événements pour justement encore diffuser et s'aimer le bien-être, voilà, de transmettre ce savoir des plantes et cette connaissance pour que les gens puissent utiliser de façon très très pratique et pragmatique. Donc j'aime emmener les gens dans ce monde, j'aime les ouvrir à quelque chose qu'ils connaissent pas ou peu, de leur faire prendre conscience, d'avoir ce retour à cette conscience de cet environnement, de ces odeurs, de cette beauté qui entoure. Donc c'est vrai que là nous avons fait cette promenade donc à la Sainte-Baume, donc qui est un lieu quand même très particulier. Donc on connaît effectivement par rapport à la grotte de bien sûr de Marie-Madeleine, mais c'est pas que ça. C'est un lieu qui est particulier. Il faut se rappeler que les rois de France allaient s'y rendre après leur couronnement. Il faut se rappeler aussi que les compagnons c'est la dernière étape de leur tour de France. Donc il y a quand même une symbolique qui est très très forte donc sur ce lieu, et il y a une végétation aussi qui est intéressante pour les personnes qui ne connaissent pas donc cet endroit, cette zone géographique. Il y a une forêt, et cette forêt est très curieuse pour la Provence parce qu'il y a beaucoup de lianes en fait,
Et on dit toujours que c'est un lieu qui reconnaît que le ciel et la terre. Et j'aime toujours ces histoires comme ça. Et il y a vraiment cette notion-là, donc de promenade dans cette forêt qui peut parfois être un peu sombre. Donc on a vraiment l'impression, comme dans les contes de fées, de rentrer, de pénétrer dans cette forêt entourée de ces arbres avec des lianes. On se croirait presque dans une forêt équatoriale. Il y a des moments où on est un peu surpris de cette végétation. Donc oui, donc j'ai emmené les gens en leur parlant des huiles sacrées, des plantes sacrées et de la botanique donc du lieu. C'était très intéressant. Voilà. Tu viens de créer aussi l'Institut français d'aromathérapie. Oui. Donc ça, c'est ton bébé, ton projet, on peut en parler. Où on peut le retrouver et qu'est-ce que tu nous concoctes de beau au sein de cet Institut français ? Parce que je sais qu'il y aura des ateliers à venir pour créer aussi son parfum naturel, son tout parfum holistique, donc sa propre essence. Donc ça, j'invite tout le monde à y participer parce que c'est absolument fabuleux de pouvoir se reconnecter aux odeurs qui nous plaisent vraiment, qui font corps avec nous. Et où on peut retrouver ce sur ta page Facebook, je suppose. Tu as une page Facebook, tu as tout un à site fait. Et que prévois-tu ? Alors, donc il y a donc un site qui s'appelle institutfrançaisaromathérapie.com. Ensuite, il y a donc bien sûr la page Facebook sur laquelle je publie régulièrement. Alors justement, je publie régulièrement des promenades avec ma fille Rose d'ailleurs. Hein, nous avons des promenades botaniques, nous faisons nos petites vidéos et d'autres informations sérieuses et bucoliques, voilà. Où j'affiche également donc les événements à venir, que ce soit avec Bonheur Factory ou non. Et effectivement, je suis un organisme de formation. Donc j'ai créé cette plateforme sur laquelle donc seront vendues en fait des formations, des masterclass, des classes, des e-books sur l'emploi, les applications des plantes. Je dirais que le but, l'objectif ultime quand même de cette plateforme, c'est d'apprendre aux gens d'utiliser les plantes de façon très pratique et très autonome. Et très autonome. Et de savoir de créer un cadre, des méthodes qui sont simples, qui sont facilement applicables, et pour utiliser vraiment les huiles essentielles en toute sécurité, sans avoir peur de se tromper, parce que c'est vrai que depuis toutes ces années où j'enseigne, je donne des ateliers et autres, et j'ai un lien particulier proche avec le public, que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup avoir ces moments d'échange. J'entends souvent « Ah, j'ai peur d'utiliser mon huile essentielle. Oh là là, non, je ne peux pas utiliser l'huile essentielle parce que je ne sais pas comment faire. Ou alors, j'ai peur de me tromper, je ne sais pas faire mes mélanges. Ou alors, c'est dangereux. Ou... » Alors, des fois, il y a des appréhensions qui sont tout à fait fondées, mais je pense qu'il faut aussi, voilà. Donc, le but, c'est ça, c'est de donner ce cadre tout à fait sécurisé, sécurisant, donc, pour qu'il y ait une utilisation en autonomie. Tu vas nous permettre de nous reconnecter vraiment à Dame Nature. Exactement. Et suivre nos intuitions. Exactement. Merci beaucoup, Françoise. Merci Corinne. Merci pour votre invitation. L'association Bee Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes, conférences, cafés des éclaireurs, chaîne YouTube et podcasts. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Bee Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.